Allez, on va passer au dessert, mesdames et messieurs, pour la suite de cette grande soirée de kickboxing ici à Delémont. Deux très très gros combats avec de très grands et très bons boxeurs. Et pour ce premier choc des titans, on va accueillir un boxeur âgé de 21 ans, représentant ce soir la France, à son palmarès, pas moins de 43 combats pour 41 victoires. 29 victoires par KO, 1 nul et 1 défaite seulement. Il est champion de France full contact 2011 de la FFSCDA. Dans le coin bleu, vos applaudissements pour Cédric Tomchel. Ce match en K1A, catégorie moins de 81 kg. Un boxeur de 27 ans, du team Congo Genève. 54 combats, 46 victoires, 35 victoires par KO, 2 nuls, 4 défaites. Champion d'Afrique de karaté Koshibi en 2011. Que le médecin a dû intervenir, donc on va attendre quelques instants que le médecin soit de retour avant d'attaquer ce combat. Je vous rappelle le palmarès de ces deux magnifiques boxeurs. On est en K1A, catégorie moins de 81 kg. Un combat qui va se dérouler en trois reprises de 3 minutes. Dans le coin bleu, il y a 21 ans, représente ce soir la France. À son actif, 43 combats, 41 victoires, 29 par KO. Une défaite, il a été sacré champion de France full contact en 2011 de la FFSCDA, Cédric Tomchel. Il sera opposé dans ce combat à ce boxeur âgé de 27 ans du team Congolo Genève, représentant la Suisse. Le palmarès, je vous le rappelle, très impressionnant. 54 combats pour 46 victoires,
35 victoires par KO, 2 matchs nuls et seulement 4 défaites. Sacré champion d'Afrique de karaté, Kosovo en 2011, Yohann Kongo. Voilà, mesdames et messieurs, on va applaudir, on a trouvé un médecin dans la salle qui a été d'accord de prendre son poste, on peut l'applaudir et le remercier. Merci docteur, parce qu'effectivement on a un souci avec, on va rien vous cacher, on a un souci de santé avec quelqu'un derrière, on attend l'ambulance et on ne veut pas laisser la personne sans surveillance du médecin de la soirée. Voilà, on va donc prendre les combats avec ce match de K1 à moins de 80 kg. Entre Cédric Dolchen et Yohann Kongo. On va dans les règles du K1. Coup de genou autorisé. Un coup de genou par saisie. Pas de coup de coude. Spinning back fist autorisé. Bon combat. C'est parti pour 3 fois 3 minutes. Allez, réponds Yo, tout de suite, réponds tout de suite, allez. Je vais partir de votre cœur, parce que tout le bruit des coups.
Appuie un peu plus. Ils sont en danger, c'est plus ça. Mais fais gaffe. Il a rien senti. Non, t'as pas senti, mais c'est passé quand même. D'accord. Et puis tu joues un peu. Voilà, c'est ça, t'as récupéré là, c'est bon là. Là, c'est revenu. Allez, c'est normal. C'est rien, ça arrive. C'est pas grave. D'accord, c'est deux rondes encore pour faire la différence. Juge, pendant deuxième reprise, fight. Botte-le, bordel, botte-le. Comment ça va les jambes? Top. Pas de mal, rien? Ok. Poignet, ça joue? Ouais, c'est bon. Je suis bien cette garde, monte cette garde, joue pas avec lui. Continue tes middle et tes low kick et botte-le au corps. En bas, en haut, en bas, en haut. Encore de l'eau, Et quand tu bats, quand tu bloques son high kick, c'est fais pas juste. C'est pas sur les tibias. Fais pas juste de le. Soigne-le. Allez, mesdames et messieurs, troisième et dernière reprise. Fight!
une saisie. Tête. À parler sur les réseaux, ouais. On est là, on s'est bien fumé pour vous les gars. Je l'ai défoncé. C'est moi qui l'ai défoncé. C'est moi le meilleur, écoutez. Ouais. Allez, la pause pour les photos.
Allez, mesdames et messieurs, on a vu un très très bon combat. Je vous demande encore une fois de les applaudir très très fort. Ces deux champions, Cédric Zouchel, représentant la France, et Johan Coppola pour la Suisse.